Salut à tous, c'est Picsou, j'espère que tout le monde va bien. Donc pour ma part ça va très bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo sur le nouveau Resident Evil 7 Biohazard. Donc pour ma part ça sera ma partie 2. Donc je propose que nous voyons ça ensemble. Donc là je vais commencer par récupérer toutes mes munitions et mon gun aussi. Et après on est OP pour l'aventure. Bon déjà je me vengeance envers Mia. Dernière fois, elle m'a tronçonné. Donc, on va voir si on aura un peu plus de chance cette fois-ci. Des munitions, ça j'accepte. Parce que bon, faut conserver les munitions parce que. Pardon, excusez-moi. Il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. Donc, là voilà. Allez, vas-y, descends. Je t'attends. Je tourne au côté. Allez! Appuie sur le poteau. Vite, vite! Rentre, rentre, rentre! On est bien. Vite, prends le gun, prends le gun. Attention, elle arrive. T'as aucune chance! J'espère. Écoute sur toi. La tête, c'est la tête qu'il faut le choper. Je te massacre. Bon, ça c'est fait, j'ai plus beaucoup de vie, il va falloir que je pense à me remettre de la vie, parce que là c'est un petit peu la crise, putain, il va falloir trouver une solution là. Bon, heureusement il y a des munitions, et on va se trouver un autre endroit où se barrer, parce que bon, du coup, le coup du grenier, c'est raté, et bien c'est sympa. Qu'est-ce que c'est? Bon, apparemment. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Ah, d'accord, en fait, il nous retraîne dans la mer. Chez lui, quoi. Bon, en tout cas, je tenais juste à vous dire que franchement, le VR, c'est une bonne expérience. Bon, c'est que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Mais là, quand on joue en mode VR et non VR, ça n'a strictement rien à voir. Enfin, les ombrages, les couleurs sont vachement beaucoup plus sombres. La maniabilité est quand même meilleure, moi, je trouve. Enfin, rien que le fait de se pencher pour viser et regarder là où on veut tirer, c'est agréable. De pas devoir utiliser le joystick et tout ça, c'est sympa. Et on est vraiment plongé au cœur du jeu. J'aime bien. Bon, après, n'hésitez pas à me commenter, à me dire si vous préférez que je vous le fasse en mode normal ou je continue en mode vert. Mais bon, quand même, en mode vert, c'est pas mal. En plus, une fois qu'on a bien mis le casque, donc j'insiste bien sur ça, qu'il faut bien bien se mettre le casque et avoir la lentille tout en propre, ne pas se mettre le casque sur le front comme la plupart des abrutis font. Forcément, l'humidité, enfin, on a le front moite et du coup, ben, ça touche la lentille, hein. Même les cheveux touchent la lentille. Donc quand vous la levez, tirez bien la sangle derrière, enfin le bouton. Mais bon, sinon c'est pas mal, on est vraiment dans le truc, quoi. Qu'est-ce que t'as, bâtard, à me jeter un truc, toi? Oui, Mia. Hein? Mais qu'est-ce qu'il a lui? Tiens, paye ton bras, bâtard! Ça prendra de jeter l'assiette. Quand lui il arrive, qu'est-ce qu'il va me faire? Prendre son dîner? Bois, mais arrache-toi, on dirait des intestins ton truc! Faut que je recule la tête? Non! Bah, du béton, je mange pas! Technique, moi. C'est pas au premier degré, mais deuxième, quoi. Pas ça. On croit vraiment prendre le couteau dans la face, quoi. Merde. Je parie que c'est encore ce flic. Ça va, vrai.
Barrez-vous. Embarque ta grand-mère aussi. Mais c'est pas ça là. Ah non, il part pas avec. Putain de merde, je suis tombé. Oh putain. Bon, on va faire un petit tour vite fait. On va regarder le domicile, quoi. Ici. Hop, hop, hop. Voilà, il y a une trappe, une chaussure, on s'en fout de la godasse. Trappe fermée. Plante verte, ok. Bon, ça c'est de pas tomber sur le proprio. Oh, ça donne pas envie là non plus. Ok, là c'est fermé, faut un crochet. Oh, je vous dis pas comment je respire, il y a des fois, ça met un peu le stress. En plus, avec le verre, on entend bien la respiration. Allez, allez, allez. Je l'ai entendu, je suis sûr qu'il est par là. Je reste caché 2 minutes. Non? Allez, on y va. Voilà. Chaud. Doucement, se penche. Vraiment le stress. Putain, demi-tour. C'est pas sûrement revenir. Ah, il est là. Pourquoi j'ai laissé la porte ouverte? J'aurais pas dû la laisser ouverte. En plus, il va pas y arriver. Hein, il va pas se débloquer. Enfin, c'est vraiment qu'ils auraient l'idée. Alors, il défonce les portes, le bordel, il défonce les murs, et il arrive pas à pousser une porte, le truc. Putain, il me fout dans la merde, il va falloir que j'aille moi-même. Oh, le con. Alerte au Google. Bon. Ben, je crois qu'il va falloir y aller, hein, parce que là, il a pas l'air décidé à pousser la porte. C'est la chance que j'ai. Je vais y aller, va me griller. Putain. Bon, on va y aller doucement. Pas se faire griller. Putain de mongol. Allez, on est chaud là. Vite, on rentre dedans et on referme la porte. Ah non, il m'a grillé. Putain. Vite, vite. Mais non, je peux passer à travers le mur. Mais la probabilité que ça m'arrive à moi, ça. Vite, vite, on va où? Faut le faire tourner, hein. Ah oh, putain, il est déjà là. Eh bien. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, la clé de la trappe, ça c'est à moi. Bon, le cadre Osef, Osef. Bon, on va rester 30 secondes là, en espérant qu'il, je sais pas, qui vient, enfin, j'essaie de l'esquiver. De toute façon, ici, c'est un cul-de-sac, donc. Les amis civils, je suis dans la merde, en vrai, là, parce que là, ils sont issus, ah, ils m'appellent Ethan. Oh, n'hésitez pas à laisser des commentaires, pour me donner votre avis, mais quand même,
ça donne pas trop envie d'y aller quand même. Faut que c'est dans la trappe là, c'est ce moyen d'esquiver, je pense. Qu'est-ce qu'il a ce truc? Ah ouais, moi j'ai pas d'armes pour te casser. Allez, bon, on va y aller doucement, on va voir. Je pense qu'il a dû rester dans le salon. La famille. Ok, là, il faut une pièce. Je suis caché. Allez, on se barre. Allez, je sais pas où je suis là, sous la maison. Mais ça va le faire. Là, une pièce antique, ma première. Avec ça, là, la magie du verre. Sophie? Là maintenant, est-ce qu'on perd pas de temps quand on regarde à gauche et à droite? Pas obligé de tourner tout le bonhomme en fait, on tourne juste la tête. Ben, on est arrivé. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a par ici? Boah, ils sentent horriblement mauvais. Merci les chaussettes du propriétaire. Hein? Une caisse. Ça c'est bien. On peut poser des objets. Ah, ça fait penser aux anciens Resident Evil. Ça fait vraiment plaisir car comme vous le saviez, dans les anciens Resident Evil, on pouvait poser les objets dans des caisses. Donc, du coup, ça nous permettait de nous alléger. Donc c'est plutôt pas mal. Et même comme aussi la map. D'avoir la map aussi. Ah! Plan de résidence principale, ça va me servir. Plus de galère si j'ai un problème, je regarde. Donc, des plans. Produits chimiques, ah ouais. Ça aussi, on peut combiner des objets. Ça, c'est bien. Ok, donc combiner. Ok. Ouais, pas plus mal. Ouais, ils ont quand même gardé. Tout ce qu'ils avaient à l'origine. Ouais, c'est pas mal. Après, ça fait quand même penser un peu à l'exorciste, quand même, ce film, ce jeu. Enfin, bon, pour moi, je filme, excusez-moi, mais le fait d'être en VR, on se trouverait plutôt dans un film que dans un jeu. Mais, ça fait vraiment penser à l'exorcisme. Genre, comme dans Resident Evil 1, dans un bâtiment et tout. Les gens qui sont touchés par le virus T. Non, c'est pas, plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Le téléphone ne marche pas. Bah, je crois que l'on a fait le tour de la pièce. Ah, non, si. Ça, tout à l'heure, je l'ai pas ouvert, j'ai mal regardé là. Voilà, un crochet, ah oui. On va pouvoir ouvrir des tiroirs ou des placards, je sais pas. Après, je sais pas s'il est limité ou si en fait on l'a qu'une fois. Ah non, je me suis trompé de touche. Bon, c'est pas grave. Bon, mais là, je crois qu'on a fait le tour. On va pouvoir sortir. Ah, bah peut-être pas de suite finalement. Allô? C'est qui? Bien joué, Tom. Zoé, c'est ça? Et écoute bien si tu veux rester en vie. Tu dois sortir de la maison. Il y a peut-être une issue via le hall principal. D'accord. Oh, le truc à ton poignet est un codex.
Ne le perds pas, c'est important. Ouais, et merci pour le rapistolage aussi, du moins. Hein. Pour dire. Charmante. Bon, bah, apparemment, Zoé a envie de m'aider. Donc, elle doit être du côté de sa sœur. Ce que je crois comprendre, parce qu'apparemment, Mia aussi. N'est pas conscient de ce qu'elle fait, quoi. Bon, et nous revoilà au point de départ. Bon. Bah, du coup, on a tout ramassé. On va faire un petit tour du bâtiment pour voir qu'est-ce qu'on pourrait croiser, mais non, là, j'ai toujours rien pour casser. Alors, comment on va faire? On va faire un tour vers là-bas, peut-être j'ai raté quelque chose. Il est pas là, l'autre taré. Il est pas là. Qu'est-ce que... Ok, donc là non plus, il n'y a rien. Donc j'insiste bien, n'hésitez pas à faire bien le tour des cadres, parce que je sais que dans les anciens Resident Evil, il y avait des fois, voilà, Lucas, février, il y avait énormément d'indices. Donc ce sont les cadres, les posters, ou même les papiers que vous trouvez en fait. Il vous indique plein d'indices pour trouver des objets ou des astuces. Donc n'hésitez pas à vraiment tout regarder, dès que vous propose croix, il faut vraiment le faire. Donc là c'est quoi? Un minotaure? Cheval? Corps d'homme? Une pièce apparemment. Qu'est-ce que c'est? Oya! Vous entendez taper? Ah putain, il y a quelqu'un! Hey, par ici! Oh oui! C'est la police! Youhou, la police! Et vous devez m'aider. Du calme, reculez. Bon, vous vivez ici, monsieur? Non, pas trop, non. Notre maison? Vas-y, explique-lui. Moi, non, non. D'accord. On a eu plusieurs appels à propos de personnes disparues récemment. Ah ouais, bah c'est ici. Je dois sortir d'ici. Allez, explique-lui. Vous m'écoutez pas. Il y a une bande de tarés dans cette maison qui essaie de me tuer. C'est pire. Alors, que les choses soient claires. Vous ne semblez pas vraiment être en position de force, là, ok? C'est une blague! Quelle pute! Comme je vous ai dit, on a plusieurs cas de disparition. Et rien ne prouve qu'un étranger comme vous n'est pas impliqué là-dedans. Très bien. Je vous dirai ce que vous voulez. Bien, je préfère ça. Allez, retrouvez-moi dans le garage. On discutera là-bas. Hé, hey, attendez! J'ai besoin de votre arme. Non, le flic, il va fourrer son arme, tu vois. Sur la tête. Monsieur l'agent. Shérif adjoint. Excuse, shérif adjoint. Monsieur l'adjoint. Vous voulez voir mon nom dans la rubrique nécrologique? Ou vous voulez être un héros et me sauver la vie? Hey gros, donne-moi un couteau là, donne-moi quelque chose là. Ah oui! Le couteau de poche? Le que là, je prends! Prenez-le. C'est tout ce que vous aurez. N'importe, même matraque, non, m'en fous, quelque chose quoi. C'est un ordre. Qu'est-ce que je vais faire d'un couteau? Ah oui, déjà, je peux casser ça, récupérer des munitions. Et je vais pouvoir m'enlever le scotch. Mais très bien, très bien, très bien. On avance, on avance. Hé, on doit vite se tirer d'ici. D'abord, vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul, au milieu de la nuit. Vas-y, mais trop cool. Et vous alors? Moi, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Vous allez jamais le croire si je vous dis. Je vous écoute. Hé, remontez cette porte. Remontez cette porte. Attention. Oh bah. Tiens, prends-en dans ta gueule. Et arrêtez de parler aussi. Putain. Ah, vite, vite. Y'a quoi là? Ah, des clés. Oh oui, des clés. Y'a quoi encore? Vite, vite. Ah. Ok. Dégage. T'approches pas de moi. Allez, on monte dans la bagnole. On peut mettre tes clés, on peut mettre tes clés, on peut mettre tes clés. Vite, vite, vite. Oui, oui, oui. On se tire. Ah, t'es où là? Vas-y, je t'écrase. Hop. Hop, marche arrière, on va derrière. Y'a rien, c'est bon. Allez.
Là oui! Là il y a de l'action! Il est où là? Vas-y, relève-toi! Ah, il est où? Ah, le con, il est sur mon gueule! Non! Qu'est-ce qu'il fait? Putain, mais non! Oh là là! Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, il veut jouer lui aussi, il veut jouer! Ouh, le frontal! Ah, le vert, faut que je baisse ma tête là! Faut que j'esquive, c'est pas possible! Ouh! En vrai, là, je suis enfoncé dans le canapé! Hop là! Ah, t'as dérouillé! Là, ça fait plaisir! Là, c'est du vrai Resident Evil! Là, ça devient vraiment hardcore! Là, il commence à avoir de l'action! Allez, il reste rien là. Ah si, une caisse. Ah le con. Ah non, c'est la bonne qui prend feu. Ouf. Ah non, il est vivant. Oh putain. C'est une blague le bordel. Comment faire? Comment faire? Dégage. Oh oui, l'explosion! Bon, je crois que là, il a eu son compte, hein. C'est vraiment bien fait. Allez, on se relève. Bon, les missions, c'est fait. C'est pris déjà, il y a rien là, non? Bon, c'est où qu'on se barre? Ah! Non? Ah, il y a une armoire là-bas. Le soin. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir y aller. Je vais me dépêcher même avant que lui se réveille. Ah, c'est bon. Ah non! Il est encore vivant! Regarde-moi bien, fiston. Tu vas voir quelque chose de magnifique. Ouh. Ah, lui, c'est pas un PD, lui. Ah, ça fait mal à la gueule, ça. Qu'est-ce qu'il nous propose ici? Cartouche, le fusil. Ah. C'est ça le pompe, on peut pas l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Cadre. Ah, je suis trop près. Ah. Encore trop près. J'avais pas bien avancé. Ah, il y a quelque chose. Putain, je le vois pas. Là. Alors, qu'est-ce que c'est que je vais récupérer? Place là. Ah ouais, c'est une vache. Ou un cheval. Ah, mais je crois que c'est pour la porte d'en bas. J'ai vu le minotaure tout à l'heure. Ah, va falloir tester ça après. Alors, on va sauter. Ouh, petite sensation. Bon, ben décidément, nous revoilà au point de départ. Décidément, on est souvent ici. Allez. Là, déjà, c'est sûr qu'il n'est pas là, vraiment. Il y a un biette là-bas. Voilà. Ah bah à chaque fois que je passe, c'est le rideau en fait, avec le vent qui fait ce bruit là. Putain, ça fait speeder. Alors toi, je faut pas que je t'oublie. Alors est-ce que c'est ça? Ah oui! Allez, on avance, on continue l'aventure, les gars. Ouais, c'est ce qu'on va découvrir. Ah, c'est une maison dans une maison, en fait. Putain, c'est l'autre salon, en fait. Il y a combien de salons ici, en fait? Ouais, c'est l'entrée principale. Ok, de l'herbe. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, de la poudre. Oui, il y a encore une pièce antique. C'est ma deuxième pièce antique. Donc je sais pas à quoi ça va servir, mais ça va voir celui-ci. Allez, qu'est-ce qui m'appelle? Je suis sûr que c'est encore ce Zoé là. Mon père t'a donné du fil à retordre? C'est ton père? Il l'a été. Ah, c'est quoi ça? Je suis désolé, mais il est mort maintenant. J'espère. Tu peux peut-être y arriver, en fait. Quoi?
Arrivé à quoi? Je veux que tu fasses quelque chose, mais je ne peux pas t'en parler maintenant. Il te faudra des sortes de clés pour ça, mais tu dois sortir d'ici. Ok. Je te rappellerai. Oh, mais en fait, la fille, elle m'espionne, c'est pas possible, en fait. Là, c'est tout ce que je fais, il y a des caméras ou quoi dans la baraque? D'accord, souriez, vous êtes filmé. Caméra cachée, les gars. T'as bien que dalle, là. Ok. Porte-scorpion, avec un scorpion dessus. Non, crochet, non, ça marche pas. Oui! Alors, ça m'a envie de pas du tout à l'heure. Plus de 20 disparus en 2 ans. Eh, il serait temps de faire des recherches, là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah oui! Ah oui! Mais, c'est pas comme ça, mais un peu trop facile, quand même. C'est quoi, cette porte? Bon, bref. Voyons ça. Vous n'avez pas assez de place. Ouais. Ah non, et ben voilà, je savais bien que ça sentait la boue, cette histoire. Ah putain. Bon ben, on peut pas le remplacer là. Putain, il faut un objet long. Un objet qui est aussi long que lui. Bon ben, à plus tard mon pote, hein, j'ai envie de te chercher. On peut aller là. Ok, faut poser l'objet. Ça ressemble à un aigle sur le tableau. Ou un oiseau, je sais pas. Ok. Bon ben, je propose qu'on aille voir à l'étage. Ah! Il y a la chibène! Putain, mais elle est là! Vas-y, je veux ma vengeance. Ah, je peux pas la viser. Vas-y, je te cut! Je t'égorge la vite fait. Aïe! Vas-y, laisse-toi faire, coquine. Putain, je peux pas. C'est quoi ce bout de porte? Oh non, c'est moi qui ai ouvert la porte. Oh, le coup de pression que je me suis mis tout seul. J'ai mis dans l'autre, il est revenu encore. Ça y est, il est relâ. Ouf, casque football américain. Non. Bon. Voyons ce qu'on va croiser. Je me penche, y'a rien. Allez, on va faire le tour de la pièce. Ah! Ah, des pétitions, hein. Faut vraiment regarder plus bas, en fait, dans la poubelle. Ah oui, il y a encore un fusil ici aussi. Ah, est-ce que c'est pas ça, la pièce scorpion? Parce que j'ai vu dans le chargement qu'il parlait d'avoir un fusil avec une pièce scorpion. Il fallait avoir la clé scorpion. Et là, je vois, il y a un scorpion sur la porte. Et le fusil à l'intérieur. C'est quoi ça? Ah oui, encore une pièce antique, c'est le cinéma, notre troisième pièce antique. Bon, excusez-moi si la voix n'est pas terrible, mais je suis un peu malade, je m'en excuse. Toutes les maladies qui se passent, moi, entre les grippes et tout ça, là, j'ai pas réussi à réchapper. Qu'est-ce qu'on a? Cassette de Mia. On va faire d'abord un tour du personnel. Oh, poudre à canon. Qu'est-ce que... Ah, je l'ai raté. Ah oui, une tête de chien. Tête de chien bleu. Ok, ça c'est fait. T'as rien d'autre là? Non, 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 non. Ah. Ok, l'eau s'est enfin retirée de la maison. Ok, en fait, ouais. Ils ont une montée des eaux. Ils ont tout nettoyé. Bon ben, on a fait le tour. Hein. Je propose qu'on regarde la vidéo de Mia. Parce que je sens que ça va nous expliquer des choses intéressantes, car la première vidéo nous avait aidé à avancer dans le jeu. Donc je pense que celle-ci est bourrée d'énigmes. Enfin, j'espère que ça va nous aider un petit peu plus sur le jeu. Bon, par contre, apparemment, ils n'avaient pas filmé de suite, là. Ok. 2017, 9h28.
Athena. Alors voyons ce qu'elle va nous apprendre. Ethan, si tu trouves ceci, je sais que je ne peux rien attendre de toi. Pas après ce qui est arrivé, après ce que j'ai fait. Mais je veux juste que tu saches que c'était pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses qu'il faut que tu saches. Ah, te voilà. Nous étions très inquiets, jeune fille. Je peux pas la laisser m'attraper à nouveau. Ah, c'est moi qui dois courir là. Allez, allez, allez. Je me tire. Bon. Pourquoi est-ce qu'on peut aller là? Non. Ah, un poucave l'autre. Maman, elle m'a grillé direct. Et par ici, maman. Quelle salope. C'est pas ça, c'est ma soeur, elle. Ah putain, elle est... Ah, je l'ai fermé. Vite. Ah, c'est fermé. Ah, la baise. Faut que je me cache. Il faut que je me cache. Je me penche avec le verre. Oh non, le stress total. Cette fois, elle va me crier, elle va faire comme l'autre là, elle va me bouffer ou m'attaquer là. Puis ça va être dingue contre moi. Ah oui, mais non, mais là, c'est pas moi là, c'est Mia. Je suis con. Je ne te comprends pas du tout. Allez, tire-toi. Allez, vite. Quoi ça? Ce n'est pas le moment. Ok, d'accord, bon, on passe plus tard. Hein. Mais non, elle est déjà là! Vite. Oh là là, je suis bloqué là. Oh, faut pas qu'elle soit dehors là. Oh, le marais et tout là. Fait comment là pour s'échapper? Oh les gars! Quoi? Chut. On fait pas de bruit. Que vous mijotez quelque chose. Tu crois que je ne sais pas ce que tu veux faire avec cet Ethan? Ah bah sûrement faire du head-head. On se tire ou quoi là? Je crois que c'est bon. Je crois qu'elle est partie, je suis pas sûr. Ah, elle est encore là, putain, non. Ah, c'était l'heure en fait, elle m'a bluffé. Oh, l'heure, elle est juste à côté de moi. C'est pas moi, j'ai pas fait de bruit moi. Oh mais vas-y, dégage! Je mettrai en pâture à mes bébés et je fertiliserai le jardin avec les restes. Nous t'ouvrons notre maison. Nous t'ouvrons nos cœurs. Et toi, que fais-tu? Elle est où? Ah, c'est barré. Là, on peut rien faire, on est bloqué. Non, mais attendez, faut pas que j'aille là-bas, moi, c'est pas possible. À droite, c'est fermé, enfin, c'est la lumière là. C'est pas possible, là, je crois pas que je dois aller là. Non. Oui, ouais, il y a la lumière là. Attends, mais si elle sort.
Ah, elle est fermée. Hein. C'est quoi ça? Ah! Ah ben oui, suis-je bête, eh oui, ah, mais non, je peux. Ok, d'accord. Pff, trop facile. Voilà. Là. Allez, on est parti, on a encore découvert un nouveau passage. Ça nous servira sûrement plus tard pour Ethan. Hé, hey, l'avantage du verre, hop, je peux regarder devant moi même quand j'avance. Hop, je vois derrière. C'est bon. Non. Personne ici là. Enfin, je suis du côté où il y avait la petite fille tout à l'heure. Oh. Elle est où là? Mais non, elle est là. Bon, c'est une blague. Oh, j'ai pas le temps de repartir là-bas. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est accepter son satané don. Oh là là, le stress, quoi. Oh. Faut pas qu'elle me grille là. Moi je t'aime pas. Ouvre les yeux. Accepte-nous. C'est pas possible. Tu ne comprends rien. Et tu ne te rends même pas compte. Ouhou. Tu crois pas que vu. La petite Evie va continuer à pardonner tes conneries, garce. Que ciao. Qu'est-ce que je là. Oh, petit jeu avec toi. Tu m'entends? Tu m'entends? Pète les plombs la vie. Elle va muter elle aussi. Ah oh, ben reviens s'il te plaît ou je rêve là. Eh hey, barre-toi. Non, ben, reviens. On va tourner longtemps comme ça ou quoi là? C'est le manège à jeter en fait, c'est ça? Putain, mais vas-y, oh, 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 oh. On va pas y passer la journée là. Et on tourne, et on tourne. Axel, arrête de taper des pieds. Là, c'est les malades blancs qu'on respire. Hein. T'as la crème ou quoi? Non mais ça y est, moi je vais pas faire le tour éternellement. Hein. Eh vas-y, je me tire. Je prends le risque. Vite, vite, mais je fais du bruit avec le bois et tout. Non, non, non. Pas à ma grille en fait. C'est sans issue, jeune fille. Bon, alors là mon vieux. Non, moi je suis la grande sœur, Mia c'est la grande sœur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh putain! Ah, culé les gars, waouh! Tiens, prends ça dans ta gueule, chassé! Non! Ben voilà. Tant pis. Bon, ben j'espère que les gars, cette vidéo vous aura plu. Donc ça sera tout pour cette partie. Et du coup, ben je vous dis à une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à commenter ou à liker ou mettre un pouce bleu si vous aimez. Ça me fera drôlement plaisir. Parce que donc je débute, je fais des vidéos en espérant que ça vous plaise.
peut-être des conseils ou des astuces qui peuvent vous servir dans le jeu et en même temps pour vous présenter le VR. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et comme je disais, à laisser des commentaires si vous avez besoin de plus de renseignements ou si ce que je fais ça vous plaît, ça me motivera à continuer. Donc du coup voilà. Bon, mais du coup c'est fini pour cette partie 2 et ben, on se retrouve très bientôt pour la partie 3. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.